Voilà, nous sommes à l'hôpital de Lulombo. Nous sommes en face de la responsable de l'hôpital. Madame, bonjour. Dans la vidéo que nous allons partager avec vous après notre décryptage, vous constaterez par vous-même la mauvaise foi, sinon la haine que nourrit la famille du dictateur Denis Sassou Nguesso à l'égard de la population congolaise. Dans la région du Pou, une sage-femme constate l'abandon de l'administration publique et le délabrement des services de santé dans un hôpital de Lulembo. Une vidéo triste à partager, mais nécessaire pour éveiller et réveiller la conscience collective. Voilà, nous sommes à l'hôpital de Lulombo. Nous sommes en face de la responsable de l'hôpital. Madame, bonjour. Bonjour. Oui, on voulait juste savoir, c'est vous qui êtes la responsable du centre. Là, nous sommes où? Là, nous sommes à la salle d'accouchement. La salle d'accouchement? Oui. Et ça, c'est votre lit Comment vous appelez cet endroit? Ça, c'est le lit d'accouchement. Le lit d'accouchement. Mais on voit des bassines, ça, c'est pour faire quoi? Parce que nous n'avons pas de bassin pour recevoir les saletés quand on accouche. Donc, pour permettre la bassine là sous. Ah, donc c'est la bassine. Vous pouvez placer, comment vous faites? Et après, et la femme reste la où? Femme, on allonge la femme ici, on met une nappe, on met le pagne pour que la femme s'allonge. Quand on finit, parce que l'accouchement, les placentas, les déchets là, on met dans la bassine. D'accord. Et c'est comme. C'est seulement pour laver le matériel. Ça, c'est notre poubelle. Ah, d'accord, merci. Ce qui se passe au Congo est le résultat de l'inertie collective face à une famille qui s'est accaparée les ressources financières de tout un pays, laissant derrière elle misère, pauvreté. Nous vous laissons compléter la liste. La France, qui a soutenu le coup d'état militaire du dictateur Denis Sassou Nguesso en juin 1997, porte en partie une grande responsabilité dans la situation catastrophique que traverse le peuple congolais. Ces images sont d'une rare violence morale et physique. La famille de Sassou Nguesso a humilié les Congolais et a froissé la dignité de tout un peuple. Une prise de conscience collective s'impose. Merci de partager la vidéo avec vos proches.